bonjour à tous. Alors encore une nouvelle vidéo sur les serpents. Donc pendant qu'on est à Tropical Reptile, on en profite. Alors quelle espèce c'est Gonosuma oxycéphalum. Gonosuma oxycéphalum. Le qui était Java. Ouais, donc Asie aussi. Voilà, si je me trompe pas en géographie. Donc bien gris avec le contraste orange. Par contre, ça fait un coup de, c'est l'impression d'être. Non, mais ça, c'est parce qu'il est gonflé, un peu stress. Ah, c'est le coup de stress. Mâle ou femelle? Mâle. Mâle. Et sa provenance, c'est d'où? Ça vient de chez qui? Mélanie Raya. Allez, vraiment magnifique. On voit la langue qui bouge des fois lentement, rapide. Des jolis yeux verts, donc après, on va essayer de vous les montrer plus vers la caméra, s'il veut bien. Vraiment des jolis yeux. Puis ça se manipule plutôt bien, hein. Toi tu avais peur qu'elle soit un peu. Bah c'est un peu une miniature quand même. Ouais, là elle est un peu en stress. Elle est un peu en stress, elle voit, si bah, elle ne stresse pas, ça passe quoi. Voilà. Voilà, c'est après, c'est toujours manipuler. Toujours manipuler lentement un animal, pas trop vif, parce que sinon il peut facilement prendre peur et dans la défensive, c'est comme nous en fait quand on est en train de conduire et qu'on a un coup de stress, on prend un quart de seconde pour réfléchir. Et des fois on peut faire le mauvais choix. Elle peut réfléchir en un quart de seconde et se dire ah je vais peut-être me faire attaquer. Elle est pas sûre, mais dans le doute, elle va te défendre. Voilà, c'est toujours le doute. Mais c'est quand même c'est quand même un beau serpent. C'est plus arboricole, non du coup. Ouais, c'est un peu donc comme celle qu'on a vu un peu avant. Un peu plus arboricole. Donc, arboricole, donc il faudrait un terrarium plutôt haut du coup. Ouais, plutôt haut. Un 90, grand, même, grand aussi. Ça vient de la grosse couleur quand même. Quelle taille adulte à peu près? Je crois, si je ne me trompe pas, presque 2 mètres, 1m60. Presque 2 mètres, donc il faudrait limite un terrain d'un mètre 50 par 1 mètre de hauteur, quoi. Facile. Voilà. Voire même un peu plus, 120 de hauteur, non? Un mètre de hauteur. Pas mal de branchages aussi. Mmh. Donc, surtout de branchages. Le branchage, du bambou, bien feuillu. Cachette, un point chaud aussi. Alors, vu que c'est arboricole, est-ce qu'on met le tapis au sol ou sur le côté du terrarium, comme certains font? Ou au plafond peut-être? Moi, je mettrais les deux. Bah. Plafond. Là, son terrain de, son à la limite, il faudrait. Là, son terrain définitif. Ouais, je vais mettre un pour le point chaud et un point. Un chauffage d'un point en bas. Oui, en gros, tu mettras un tapis en bas et un plafond chauffant, quoi. Voilà. Ça fera les deux. Oui, à la limite, comme ça te garde une zone ambiante chaude d'un côté. Ouais, ça te fait vraiment une zone. Ouais, garder un peu les deux parce que. Bah, c'est vrai que oui, après, s'il monte en haut, il va chercher à se réguler. On évoluera le. Après, selon son comportement, on évoluera. Voilà, toujours s'adapter à l'animal, c'est pas l'animal qui s'adapte à lui. Il n'a pas encore son terrain définitif. Ouais, de toute façon, là, il n'est pas adulte en plus. Non. Non, voilà, il reste encore beaucoup à grossir. Oui. Donc, il y a encore pas mal de temps. Il va encore faire le double. Surtout que ça fait depuis très peu de temps que tu l'as, tu m'avais dit. 3 semaines à peu près. 3 semaines, voilà. Donc là, on est encore en plus dans la quarantaine. Donc, on a quand même utilisé, bien sûr, du gel hydroalcoolique. Très important pour les mains. Bon, là c'est pas pour montrer la marque, hein, c'est juste pour montrer le gel hydroalcoolique. Toujours en mettre avant chaque manipulation ou quand on change de serpent. C'est très important, c'est pour éviter de donner des maladies d'un serpent à un autre et en même temps d'en donner de nous à lui. Ou inversement, c'est le même si c'est rare inversement. Voilà. Donc c'est quand même très important l'hygiène. Donc là surtout que en plus, comme 3 semaines, c'est encore la quarantaine. Donc normalement j'ai vu des serpents en quarantaine, enfin on m'a déjà montré des serpents en quarantaine, d'autres animaux en quarantaine, qui étaient moins cool que ça quand même. Là il faut dire ce qu'il y a, il est plutôt. Ah oui, tu es un peu plus nerveux. Mais là. Ah. Et ben voilà, la morsure est arrivée. Comme quoi il y avait un peu de stress, voilà. Ça peut se calmer, mais il y a quand même le stress. Il y a voilà, pas grand chose. Ce sera pas dans le bêtisier, on le montre en direct, hein, ça peut arriver. On peut connaître son animal, même là, même si c'est depuis 3 semaines, on peut connaître son animal. S'il a envie de niaquer, il niaque. Si ça a un peu de stress, là, il niaque. Pas, voilà, ça saigne un tout petit peu, mais bon, après, voilà, c'est. Voilà, après, bon, vaut mieux que ça vous arrive avec un petit serpent comme ça, ou comme moi avant la bourse de Laval avec la petite gutte qui m'a mordu. Bah, faut que ce soit la petite gutte que ça. Non. Bah, ça m'aurait fait un peu mal, mais c'est pas grave, t'es sur le coup, mais vaut mieux ça qu'un rétique. Voilà. Voilà. Donc, si vous allez dans les bourses étrangères et tout, si vous avez le choix entre un rétique ou ça, prenez ça, hein. Vous faites pas trop. Je déconseille ça au débutant quand même. Ouais, enfin, pour les personnes expérimentées, je parle. Surtout que là, c'est un peu plus extendu. Le chamoisé, de ces couleurs-là, c'est assez rare. Ouais, c'est après, quand c'est assez rare et quand c'est en plus, c'est du arboricole, c'est plus délicat que du désertique. Désertique, voilà. C'est le tapis en bas et c'est plié, quoi. Tandis que là, c'est arboricole, faut savoir chauffer bien la zone et c'est un peu plus délicat. Mais bon, après, voilà. On voit qu'il est en stress, de toute façon. Le stress de l'animal, il le montre, notamment donc par le fait de comment il est. Voilà, il gonfle. Donc il montre qu'il est en stress, donc comme ça fait que 3 semaines qu'il est là, c'est un peu normal, c'est rien de choquant. Voilà. Là il a dû sentir un geste brusque. La quarantaine de la carrière est toujours en période d'acclimatation.
Ah oui, de toute façon, oui, il y a la quarantaine pour les maladies et tout, mais en même temps, pour toi savoir comment réagit l'animal, tu l'as senti déjà stressé, donc c'est pour ça que tu voulais pas que je le manipule. Pour te dire que j'ai eu du cul, ça aurait pu être pour moi, Ouais. hein. Mais voilà. Je l'ai vu tout à l'heure quand il te regardait, c'est pour ça. Ah oui, c'est. Bon, ça prend qu'il se casse la gueule derrière, c'est parfait. Tout est nickel dans cette vidéo. Donc voilà, ça peut mordre, donc ça, voilà, t'en souffres pas non plus, tu vas pas en Non. crever, hein, tu vas rester en vie avec nous. Du moins jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc il n'y a pas de risque, après c'est une morsure. Voilà, ça fait mal sur le cou, mais après la douleur passe et Ça picote. puis ça picote, voilà. Bon. Parce que t'as quand même été jusqu'au Bah, sein, disons, donc ça ça picote. fait plus mal qu'une goutte. Ah bah Faut c'est vrai que être la honnête. goutte, Ça peut être, disons, c'est un peu plus je n'ai grand. pas trop senti, mais bon. Donc voilà, donc c'est un risque qui peut quand même arriver. Même si vous avez le serpent depuis 15 ans, s'il a envie de vous Voilà. niaquer, vous n'avez pas de bol. Là, Il le fera. Donc il y en a qui, en plus, s'enfonce un peu. voilà, puis c'est. Juste pour dire ça, tu me fais chier. Voilà. Vaut mieux que ça arrive avec cette espèce-là plutôt que par exemple. Bon, Ah bon, oui, ça fait mal. le bronque, ça fait mal. Le viridis, paraît-il, ça fait mal de ce que Mmh. j'entends. Le boa canin, on m'a dit aussi que c'était pas Mmh. ça Ah, bon non bois aussi, plus. ça peut faire quand même. Oui, après, vu la taille, voilà. Mais bon, Bah, tout ce qui est gros, quoi. tout ce qui est gros, ça fait mal. Ça lâche pas tout de suite. Donc voilà, c'est un risque quand même. Là, c'est arrivé sur la vidéo. Donc bon, vous voyez quand même que tout risque peut arriver. Même si elle, enfin, même si pour lui, ça fait 3 semaines qu'il est là. Ouais, peut-être un peu plus. Un peu plus. Bon, on va dire environ 3 semaines. Mais... Mais le stress peut faire que là il était en rack en plus, donc en rack quand on le sort, il y en a qui stressent quand ils sont en terra, et le moindre petit coup de stress, des fois ça peut être. Pour nous ça peut être pas grand chose, mais eux, de vu leur point de vue à eux, c'est plus grand, c'est autre chose. Voilà. Donc sinon quelque chose à dire en plus sur cette petite espèce assez sympathique. Des conseils aux débutants. Oui, des conseils aux débutants, donc plus expérimentés. Alors, quand on dit débutant, c'est quand il y a quelqu'un qui a 1 an de terrario, ça reste du débutant. Si on se démarre avec un gecko léopard, on va pas dire, oh, putain, je suis expérimenté. Non. Un peu d'espérance, mais c'est pas Voilà. assez difficile. D'expérience sur l'espèce. Il faut que. Voilà. Vous n'êtes Pas pas mort. forcément sur l'espèce. Bah, un petit peu quand même, ou des Bah, il faut espèces se assez proches. renseigner. Ou des espèces assez Avoir proches. des espèces assez difficiles, on va dire. Oui, voilà. Et après, l'expérience, vous pouvez l'acquérir. Soit en parlant avec diverses personnes qui possèdent des serpents ou qui vous en font manipuler, des capacités également, des formations aussi prévues comme le fait la ferme tropicale ou Reptil Conseil et Formation notamment de Charlotte Hubler. Donc si c'est bien le bon nom de société, c'est ça. Au pire, je le mettrai en lien de description aussi. Donc voilà, donc l'expérience, ça va s'acquérir comme ça. C'est pas en regardant une page Facebook, un groupe Facebook ou une page internet qui vous dit tout sur Des l'animal que livres, vous voulez dire, ouais, c'est bon, je il y a connais. des livres aussi Des livres, la bibliographie est très importante. parce que sur internet on voit beaucoup de bêtises aussi, Voilà, il faut donc préciser. savoir bien trier, savoir prendre chez les bonnes personnes. Voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo, puis bah on se dit à plus tard. Salut! Ouais, salut.